Le message suivant a été retenu et payé, et ensuite relâché, puis retenu encore contre le mur avec une coupe de taloche par votre gouvernement qui vous rappelle qu'un problème de jeu peut être un problème. Jean-Marc joue. En fait, il a un problème de jeu. Son fils donnait un spectacle de fin d'année à l'école et Jean-Marc était pas là. Tous les autres y étaient, sa mère, ses sœurs, même les oncles et tantes, puis le gars qui déneige l'entrée, puis sa grand-mère paralysée venue en poussant elle-même sa brouette. Mais Jean-Marc, son père, était pas au spectacle de son fils. Pourtant, tout le monde y était. Victor Hugo, Samson Belair, l'Impact de Montréal, Jésus, Donald Pilon, Justin Timberlake, Sonia Vachon qu'une boîte de tête, mais pas Jean-Marc, son père, qui est en train de jouer au jeu en juin, qui était pas au show de son fils parce qu'il jouait du jeu. Ah, tout le monde était là au show de son fils. Orville Redenbaker, François Paradis, Ben Laden, Serge Laprade, Bono, Steve Jobs, Colette Provencher, Lippy Le Lion, Le Cœur de l'Armée Rouge, Tony Blair, Flipper, Me Too, Radek Bong, Jim Morrison s'est fait déterrer pour l'occasion, l'inventeur du Smoothies de McKinney, mais Jean-Marc, pas là. Parce qu'il jouait du jeu, des cartes, au jeu. Son fils, dans ce spectacle, était pour aller voir son fils, au show, parce qu'il jouait du jeu, des cartes. Tout le monde était là au show de son fils. Tout le monde. Le président de Bombardier, Cornemuse, Vincent Lacroix, Pierre Foglia, Pet Pirepet, Marc Simonneau, le soundman de Fred Pellerin, la girafe en chef du parc Safari, Donald Trump, mais lui, le père du show du fils, était pas là du fils de son show. Il était pas là au père du show de son fils. Il a même remporté le lauréat de celui qui était le moins là au show de son fils 2007, ainsi que le siège vide d'or de l'année à Cannes. Parce que Jean-Marc joue au jeu qu'il joue avec des jeux. Le problème de jeu en juin du jeu. Mais c'est pas tout. Jean-Marc a commencé à mentir. Il a commencé à mentir à sa femme, son frère, ses amis. Et puis, il s'est mis à mentir à la fille du dépanneur, au chauffeur d'autobus, même dans l'intercom du McDo. Une fois, il est monté d'une structure d'Hydro-Québec pour aller mentir à un monteur de ligne. Il est déjà allé jusque dans le bois pour mentir à deux lièvres, un arbre et une race de chevreuil. Puis il a commencé à courir après les chars, cogner des vitres pour mentir, puis poigner des mouches dans ses mains, il tuait pas, il leur mentait. Un jour, il s'achetait un microscope et un porte-voix pour mentir à des bactéries. Encore ce matin, il a menti à un ventilateur en attachant ses bottes. Il a jusqu'à mentir au maire Gérald Tremblay en lui disant, toi, t'as pas l'air du gars que mangeait voilé au secondaire. Jean-Marc a un problème de jeu qui joue parce que joue avec des jeux en jouant des jeux. Jean-Marc a besoin d'aide. Faites le triple W, c'est le gouvernement qui vous encourage à jouer, qui fait semblant d'être concerné quand vous êtes rendu un plouc.com.